والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. بيان التأويل في القرآن والحديث، يعني ما حكم التأويل في كتاب الله في القرآن الكريم والحديث؟ إذا أردنا بالتأويل إخراج النص عن ظاهره إلى معنى آخر تحتمله الآية بدليل شرعي، وليس لأنه أحيانا يطلق التأويل ويراد به التفسير. Des fois on dit التأويل et ce qui est voulu par التأويل c'est l'explication. Mais si on dit التأويل l'interprétation, c'est le fait de ne pas prendre le sens apparent de l'aya ou de l'hadith, mais plutôt un autre sens que la langue arabe le soutient, mais qui n'est pas le sens qui vient à l'esprit soudainement dès que tu entends, mais c'est un autre sens que selon la langue arabe l'aya ou l'hadith peut l'avoir suite à un argument, une preuve textuelle dans le Coran et la Sunna qui est confirmé ou une preuve rationnelle catégorique. Alors c'est ça le sujet, c'est un sujet très important et grâce à ça ou à ce sujet là on voit Ahl Sunnah wal Jama'a qui n'ont pas pris l'apparence de certains ayats apparemment équivoques. Ils n'ont pas attribué à Dieu le corps, le membre, les organes, le mouvement ou les attributs des créatures, et que Al-Mushabbiha, Al-Mujassima, actuellement l'Wahhabiyya ont pris l'apparence de certains ayats et de certains hadiths et ils ont attribué à Allah Ta'ala ce qui ne convient pas à Dieu. Ils ont attribué à Allah Ta'ala les attributs des créatures et c'est de la mécréance, puisque l'imam Tahawi a dit et celui qui attribue à Allah un attribut des humains a mécru. Et donc هذا الموضوع مهم جدا لأن أهل السنة الله تعالى حفظهم ووفقهم إلى الاعتقاد السليم الصحيح، وهو أن الآيات التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله وبعض الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله تأولوها فردوها إلى الآيات المحكمة ولم ينسبوا إلى الله سبحانه وتعالى صفة من صفات البشر. أما المشبهة المجسمة ويقال لهم الحشوية وما نسميه اليوم الوهابيون أو الوهابيين، هؤلاء أخذوا بظواهر ما تشابه من القرآن والسنة فنسبوا إلى الله الجسمية والأعضاء والجوارح والجلوس والقعود والحركة والسكون ونحو ذلك من صفات المخلوقات. وقد قال الإمام الطحاوي في كتابه المجمع على إمامته ومجمع على كتابه باعتراف الوهابيين أن كتابه مجمع عليه، قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن في سورة آل عمران قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أخبرنا الله تعالى في هذه الآيات أن القرآن الكريم في هذه الآية أن القرآن الكريم فيها آيات محكمات هن أم الكتاب، هم المرجع، هم الأصل، أصل الكتاب، وفيه آيات محكمات ترد إلى الآيات المحكمة، في آيات متشابهات ترد إلى الآيات المحكمة. Alors dans sourate Al-Imran ayah 7 Allah Ta'ala nous a dit que dans le Coran il y a des versets explicites qui sont la référence dans le Coran al-Karim et il y a des versets apparemment équivoques et que les versets apparemment équivoques, pour les bien comprendre, il faut se référer aux versets explicites. Et il a dit qu'il y en a des gens qui sont malades et où ils ont de l'égarement dans leur cœur et ils délaissent les versets explicites et ils suivent les versets apparemment équivoques pour donner une mauvaise interprétation, pour donner une mauvaise interprétation, pas la bonne interprétation, mais une mauvaise interprétation
Et c'est Allah seul qui sait leur interprétation et les enracinés de science qu'on naisse aussi. Et les enracinés dans la science, c'est-à-dire les grands savants, ils disent c'est la parole de Dieu, ils croient à ça, et ils croient en même temps au verset explicite et à ces versets, et ils disent tout est, c'est-à-dire révélé de la part de Dieu, c'est la parole de Dieu, et ceux qui se rappellent, c'est les gens qui raisonnent. فما هي الآيات المحكمة وما هي الآيات المتشابهة؟ المحكم ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا. Lorsqu'on dit محكم, آية محكمة, آية explicite, c'est le verset qui n'a dans la langue arabe qu'une seule signification. Il n'a dans la langue arabe qu'une seule signification. أو ما عرف بوضوح المعنى المراد منه. Ou on peut dire المحكم, les versets explicites. C'est ce qu'on a su, le sens voulu, d'une manière claire et voilà. Ma'arifa al-ma'na, al-murad minhu bi-wudouh. Le sens voulu est très clair et très apparent. Et qui n'a, qu'on a dit, il n'a pas une autre signification dans la langue arabe. Et on peut dire, il est le sens voulu est très clair. كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء rien n'est tel que lui. Et tu dis le mot شيء, c'est un nom indéfini, اسم النكرة, précédé par une négation, مسبوق بنفي, ça donne la généralité, ça donne la généralité. لا ليس كمثله شيء يفيد العموم. Il n'a pas dit rien n'est tel que lui parmi les humains ou parmi les anges, non, il a dit rien. C'est-à-dire ni les anges, ni les humains, ni les animaux, ni les arbres, rien parmi toutes les créatures, rien ne lui ressemble. وقوله أيضا وكقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Encore l'آية ولم يكن له كفوا أحد. Rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui. Encore c'est une verset explicite, le sens voulu est très clair que Allah n'a pas de pareil, n'a pas de similaire. وقوله تعالى هل تعلم له هل تعلم له سميا. Est-ce que tu sais un qui est équivalent ou qui est similaire ou qui ressemble à Dieu? Pas du tout. Alors, lorsqu'on dit explicite, ça ne veut pas dire seulement dans l'aqida. Il y a même des versets au sujet de la prière, mais il y a des sujets au sujet de al-wudu, il y a des sujets au sujet de, il y a des versets au sujet de l'héritage, de mariage, de divorce. Celle qui n'a qu'un seul sens, on dit c'est un verset explicite. هذه آية محكمة. لو كان تتعلق بالطهارة بالصلاة بكذا ليس من شرط المحكم أن يكون متعلق في الاعتقاد. إنما المعنى الآية هذه سواء تتعلق بقصة نبي أو تتعلق بحكم أو بأمر اعتقادي أو بحكم فقهي أو تذكير أو وعظ, فهذا ما ليس له إلا معنى واحد أو عرف المعنى المراد منه بوضوح يقال له محكم, يقال له محكم. وأما المتشابه فهو ما لم تتضح دلالته أو يحتمل أوجها عديدة واحتج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق. Alors المتشابه apparemment équivoque, c'est le verset qui peut avoir dans la langue arabe plusieurs significations et qu'on a besoin de bien chercher, bien réfléchir pour savoir le sens voulu. Et on a besoin de bien regarder, bien chercher avant de dire tel sens est voulu. Mais selon la langue arabe, il peut avoir deux ou plusieurs significations et il faut se donner de l'effort pour voir ce qui est voulu par là, à quel sens. Ou يقال ما لم تتضح دلالته, ما لم تتضح دلالته. On dit le verset apparemment équivoque, les versets dont leur sens, le sens voulu n'est pas explicite, n'est pas clair pour tout le monde, n'est pas clair. Alors, et là on dit c'est une verset apparemment équivoque. Comme l'aya الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. Le mot استوى il a 15 significations. Il y a des sens qui convient à Dieu et d'autres non.
Estawa dans le sens est devenu mûr. Ça, ce n'est pas ici, non, ce n'est pas pour Dieu. Estawa, i'tadala ba'da wijaj, il s'est bien dressé après qu'il n'était pas tout droit, il était incliné ou quand on dit estawa. Estawa, alors ça encore, ce n'est pas ici, c'est, on ne dit pas ça pour Dieu. Estawa dans le sens, il s'est assis, il s'est établi, il s'est installé. Pas du tout, c'est, ça se dit pour un corps, pour quelqu'un qui a une partie supérieure et une partie inférieure. إذن هناك معان لكلمة استوى لا تليق بجلال الله استوى بمعنى نضج تقول استوى العنب استوى الثمر بمعنى نضج صار صالحا للأكل هذا لا 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 يطلق هنا في هذه الآية على هذا المعنى استوى لا هنا ليس معناه نضج ولا يقال أيضا استوى بمعنى اعتدل بعد الإعوجاج هنا في هذه الآية ولا يقال استوى بمعنى جلس أو قعد أو استقر لكن ابن تيمية والمجسمة قبله بعض المجسمة قبله ومن جاء بعده ممن تبعه في هذا يقولون استوى بمعنى إيش استقر الوهابية يقولون استقر واحد كذب على أبي حنيفة حرف كتابه أبو حنيفة قال استوى على العرش من غير حاجة إليه واستقرار عليه في كتاب الوصية قال من غير حاجة إليه واستقرار عليه نفى الحاجة والاستقرار فهو هذا ماذا فعل طبع الكتاب وكتب من غير حاجة إليه واستقر عليه في كتاب الوصية وطبع الكتاب وصور صورة للمخطوط الأصلي فطلع كلام أبو حنيفة في المخطوط الأصلي كما هو صحيح فكانت فضيحة للوهابيين المحرفين. Alors j'ai dit que il faut pas dire istawa dans le sens il s'est installé ou il s'est établi parce que ça se dit pour un corps qui a une partie supérieure, une partie inférieure. Pour voilà. Et les wahhabiens ils ont imprimé un jour le livre de Abu Hanifa al-Wasiya. Et Abu Hanifa il a bien parlé, il a dit istawa ala al-arsh. Sans avoir besoin, sans s'établir. Il a dit sans avoir besoin et sans s'établir. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit sans avoir besoin, virgule, et il s'est établi au-dessus. Et ils ont fait comme ça, lorsqu'ils ont imprimé, ils ont changé la parole d'Abu Hanifa. Et au début, ils ont dit, voilà, ce livre-là, c'est Abu Hanifa, on a pris plusieurs manuscrits et ils ont fait une photocopie de la manuscrit. Et là où ils ont fait la photocopie de la manuscrit, il y avait la parole d'Abu Hanifa juste, sans avoir besoin et sans s'établir. Alors c'était vraiment un grand dévoilement que ces gens-là, c'est des tricheurs, falsificateurs. Et l'écriture était très claire, une jolie écriture, que Abu Hanifa il a dit « Min ghayri hajatin ilayhi wa istiqrarin alayhi ». Et vers le paragraphe, lorsque ça termine, قال لأنه لو كان بحاجة للجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله. Et regarde, après quatre lignes, à la fin du paragraphe, l'imam Abu Hanifa dit, parce que s'il avait besoin de s'installer et s'établir et s'installer, avant la création de Dieu, comment il a existé? Il a dit Abu Hanifa, comment Allah Ta'ala a existé avant le trône? Sans avoir besoin, sans s'installer, sans s'établir sur le trône. Après la création du trône, c'est la même chose. Tu vois? Mais ces gens-là, c'est des malfaiteurs, c'est des tricheurs, c'est malfaiteurs. Ala kullin, haza, Allah Ta'ala, ba'd al-ahyan, yakshifu, an hal ha'oula. Allah Subhanahu wa Ta'ala les a dévoilés. Fi sahih al-Bukhari, شرح صحيح البخاري لابن حجر الأسقلاني أرادوا أن يطبعوه وبتعليق ابن باز فصار يكفر ابن باز يكفر ابن حجر العسقلاني في مواضع يقول هذا الذي يقوله هذا شرك وهذا قاله ابن حجر. J'ai dit que lorsqu'ils ont voulu imprimer le livre de ils ont imprimé le livre فتح الباري l'explication le commentaire sur le Bukhari fait par ابن حجر العسقلاني. Alors dans le deuxième ou troisième volume, Ibn Hajar a parlé d'un hadith dans lequel il y a tawassul. Et que Ibn Hajar a parlé de ça, que c'est une chose qui est bien, on peut le faire, ça a été fait, tout ça. Et Ibn Baz, il met en bas, non, ça c'est haram, ça du shirk, ça fait sortir de l'islam. Alors c'est comme il est en train de dire que
il est en train de dire que Ibn Hajar al-Asqalani est un mushrik. Alors pourquoi tu imprimes le livre? Pourquoi tu fais? Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les livres des grands savants, comme le livre de Abu Daoud, comme le livre de Ibn Hajar al-Asqalani, comme le livre de Al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari, ou tel ou tel ou tel livre, hatta même des livres de certains imams hanafites. Et ils essayent de faire des commentaires en bas et ils contredisent celui qui est l'auteur. Alors les gens, lorsqu'ils achètent le livre, ils achètent en pensant, voilà, c'est le livre de Al-Bukhari, de Ibn Hajar al-Asqalani, de Mulla Ali al-Qari, de l'imam al-Ghazali. Et eux, en bas, ils ont fait des commentaires pour répliquer contre la personne même. Et c'est ça ce qu'ils ont fait pour l'aqid al-Tahawiyya. Pour l'aqid al-Tahawiyya, ils ont essayé de faire... Il y a un mujassim qui s'appelle Ibn Abil Izz. D'après lui, il a fait un commentaire sur Tahawiyya. On dirait que ce n'est pas un commentaire. C'est plutôt une réplique contre Tahawi. Il a essayé de répondre contre Tahawi. Alors pourquoi tu es en train d'expliquer si tu es contre? Si tu n'es pas d'accord avec Tahawi, pourquoi tu te prétends que toi tu es en train de commenter parce que les gens ils vont dire « Ouais, il explique Tahawiyya ». Non, il essaye de répliquer contre Tahawiyya. وقوله تعالى والراسخون في العلم يحتمل أن يكون ابتداء ويحتمل أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة الآية وما يعلم تأويله إلا الله et c'est Allah seul qui sait l'interprétation. Il y a une lecture où on s'arrête. Il y a une lecture وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم, c'est-à-dire Allah sait l'interprétation de ces versets et les hommes du science enracinés dans la science connaissent aussi. Il y a deux lectures. Et maintenant, on dit si on s'arrête, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, et c'est la lecture al-mashhura, très répandue, voilà. Alors les savants de l'islam, comme Abu Nasr al-Qushayri, il a dit il s'agit ici des versets qui traitent des choses dans le futur. Et pour dire leur interprétation, ça veut dire quand est-ce aura lieu les versets qui parlent du faux messie, qui parlent de l'heure, à quel moment. Et alors, quand est-ce vont avoir lieu? C'est Allah seul qui sait. Et le mot ta'wil, elle vient dans le sens quand est-ce aura lieu. Alors voilà comment on explique al-aya s'il s'agit des versets dont la réalisation ou et quand vont avoir lieu, c'est Allah seul qui sait quand est-ce va avoir lieu. Mais si on dit وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم, Allah seul, Allah sait leur interprétation et les hommes du science, alors à ce moment-là, il s'agit du verset qui peut avoir deux ou trois significations au plus, et le sens voulu, lequel alors les hommes de science peuvent avoir s'ils font un effort. فإذا فعلى الأول المراد بالمتشابه ما استأثر الله بعلمه كوجبة القيامة وخروج الدجال ونحو ذلك فإنه لا يعلم متى وقوع ذلك أحد إلا الله هذا الذي شرحته الآن وعلى الثاني المراد بالمتشابه إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم يعني يعلمونه فالمراد بالمتشابه ما لم تتضح دلالته أو ما يحتمل أوجها عديدة يحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى مع العلم أنه ابن كثير تلميذ ابن تيمية يعني أخذ عنه هو متعصب له يقول يروي أن ابن عباس لما قرأ هذه الآية يروي بالسند أن ابن عباس قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ماذا قال ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله إذن هذا يدل على أن ما قلناه إيش هو الحق وأن المتشابه الذي يحتمل أوجها عديدة الله يعلمه والراسخون في العلم يعلمونه ويفسرونه على ما يليق بالله من غير معارضة مع الآيات المحكمة. Alors, ابن كثير il a dit dans au moment de sourate Al-Imran en parlant de cette aya 7, il rapporte par une chaîne que lorsque Ibn Abbas a lu Al-Aya, il a dit
Et il a dit, et ne sait l'interprétation que Allah et les enracinés de science. Il a lu comme ça. Et il a dit, moi je suis parmi les hommes de science enracinés qui connaissent l'interprétation, il a dit, des versets apparemment équivoques. Alors Ibn Kathir, qui soutient Ibn Taymiyyah, qui est avec lui dans certaines questions, il a rapporté cela de Ibn Abbas. Alors, parce que Ibn Taymiyyah et le Wahhabine en général, ils disent on n'a pas le droit d'interpréter quoi que ce soit dans le Coran. Ils disent il n'y a pas d'interprétation, il faut prendre l'apparence. Et nous, on a beaucoup de choses à répliquer contre ces gens-là. Beaucoup. Sayyidina Ibrahim a dit inni dhahibun ila Rabbi. Ibrahim, et il a dit, je vais aller à l'adoration de mon Seigneur, à l'obéissance. Mais il est parti en Palestine. Mais mot à mot, celui qui traduit, il a dit, je vais aller à Dieu. Mais vers Dieu, alors tu veux dire qu'Allah, il est en Palestine? Parce que lui, il n'a pas dit dans le Coran, je vais aller à l'obéissance, à l'adoration. Il a dit, inni dhahibun ila Rabbi. Et il est parti où? En Palestine. Alors il faut l'interpréter, il faut dire que ce qui est voulu par ça, c'est le fait d'aller obéir. فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Où vous vous dirigez, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Nous on a dit, comme il a dit Mujahid, c'est Al-Qibla. Où vous vous dirigez, c'est la Qibla pour la prière. S'il s'agit de la prière sunna, si on est sur la monture, on est en voyage, on se dirige à notre direction de voyage. Mais dans le ayah, il n'y a pas dit qibla, il y a dit fathamma wajhullah. C'est là wajhullah. Wajhullah, nous on a dit al-wajh al-murad bihi al-qibla. Mais eux, ils disent non, il ne faut pas l'interpréter. Et d'ailleurs, l'Albani, il a dit comme ça, il ne faut pas l'interpréter. Où tu diriges Allah en face de toi. Après, tu sais qu'est-ce qu'il a dit l'Albani. Il a dit parce que Allah entoure le monde. Et il a dit, Allah entoure le monde, comme l'orange, la peau de l'orange entoure l'intérieur, comme le cercle entoure le point. Il a dit, Allah entoure le monde, où tu diriges Allah en face de toi. Mais vous vous rendez compte à quel point cet homme-là est anthropomorphiste. Il a dit, had hadha al-ghabi al-albani, mushabbih, mujassim, yaqul Allah muhitun bil-alam bi-dhatihi. Kayfa tawajjahat Allah muqabiluka. يقول الله مقابلك يعني يعتقد أن الله جسم كبير يحيط بالعالم هذا اعتقاده هؤلاء ما عرفوا الله ces gens là ils n'ont pas connu Dieu. أما الراسخين في العلم يقولون لا الآيات المتشابهة لا تحمل على ظاهرها les versets apparemment équivoques il ne faut pas le prendre selon l'apparence mais il faut se référer au muhkam pour donner la bonne explication, la bonne interprétation, comme Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Si tu dis Allah Ta'ala Al-Qahir fawqa ibadihi, le Tout-Puissant au-dessus de ses créatures par sa majesté, et le sens le plus noble, le sens le plus noble de istawa, c'est à dominer. Le sens le plus noble de istawa, Al-Qahir. تقول أنت استوى بمعنى استولى وقهر هذا أشرف معاني الاستواء وهذا يجوز على الله القهر من أسماء الله القهر القهار والقاهر c'est parmi les noms de Dieu celui qui domine toutes choses alors là si tu dis استوى dans le sens à dominer tu n'as pas fait quelque chose qui contredit ni la langue ni la croyance ni la langue arabe ni la croyance mais peut-être quelqu'un te dit mais Allah domine toutes choses. Pourquoi tu dis il a dominé le trône? Allah domine toutes les choses. Alors tu lui dis Allah est le créateur de toutes choses. Pourquoi il a dit wa huwa rabbul arshil azim? Dans le Coran, il a dit wa huwa rabbul arshil azim. Et Allah est rabbu kulli shay, rabbu kulli shay khaliquhu wa malikuhu. Il est le créateur de toutes choses. À lui appartient toutes choses. Mais pourquoi il a cité le trône? Pour montrer que le trône est une créature le plus grand et qu'il est noble par rapport aux autres choses. Alors, si il a dit wa huwa rabbul arsh al-azim et là il a dit istawa ala al-arsh, alors il faut que le sens toujours revient avec harmonie avec le sens de laysa kamithlihi shay. Bdikun at-ta'wil munsajim مع قوله تعالى ليس كمثل شيء مع قوله ولم يكن له كفوا أحد فإذا كان منسجما مع هذا لا يجوز أن يقال جلس وقعد واستلقى
واتصل وانفصل. Alors, si on veut donner la bonne explication, il ne faut pas dire qu'il s'essaye, qu'il s'installe, qu'il touche, qu'il... Non, أما هدول الناس بعضهم بيقول لك يجلس بحط رجل على رجل. Ces gens-là, ils disent Allah s'assoit et il met un pied sur l'autre. Ils disent il a un tibia, et ils rapportent un hadith que Allah il se plaint à Muhammad. Ils disent voilà mes créatures, ils m'ont cassé le tibia. Ils disent Allah s'assoit, descend au Firdaus en ayant des souliers en or. Biru hadith la tasih. إسرائيليات حديث مكذوبة تخريفات يقولون الله ينزل إلى الفردوس يمشي على مرجة خضراء وفي رجليه نعل من ذهب هؤلاء ما عرفوا الله إنهم باكون ديو والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.